Bonjour, cet enregistrement est pour vous montrer un aperçu de ce qui est possible de faire avec l'outil Grasp Bubble Math pour les mathématiques du secondaire. Alors, d'abord, en arithmétique, il y a possibilité de travailler les priorités des opérations, les propriétés des opérations et faire des opérations sur des fonctions, sur des fractions, par exemple. Et je vous dirais que les possibilités sont encore beaucoup plus grandes. Donc, si on y va pour la priorité des opérations, l'élève est amené à cliquer soit avec sa souris ou avec son doigt sur une tablette sur les bonnes opérations à faire. Par exemple, si je veux faire la soustraction ici d'abord, ça ne fonctionne pas. Donc, je peux y aller avec l'addition dans la parenthèse, l'exponentiation qui est ici. Ensuite, si encore une fois j'essaie de faire la soustraction qui là, ça ne fonctionne pas, alors on priorise la parenthèse ainsi que les opérations restantes jusqu'à la toute fin. Puis, même avec cet outil-là qui est ici, on peut faire ensuite défiler la trace de la chaîne d'opération vraiment en entier. Pour ce qui est des propriétés des opérations, ben, je pars avec la même chaîne d'opération. Donc, ici, c'est de travailler différemment. On peut voir que pour la même chaîne, on peut arriver avec des résultats, au même résultat, mais avec une démarche différente. Donc, allons-y avec la distributivité ici dans la parenthèse. Même chose de ce côté-ci. Puis, ensuite, on peut poursuivre avec notre priorité des opérations. Donc, encore une fois, si j'essaie de faire celle-là, ça ne fonctionne pas. Donc, ça amène l'élève à développer sa propre procédure. Ça amène l'élève à choisir, à faire les bons choix. On peut appeler ça un petit peu l'approche inductive pour l'apprentissage ici des opérations. Donc, encore une fois, on peut, quand on a terminé, on peut faire défiler toute la démarche qui a été faite pour arriver, qui a été faite, pardon, pour arriver au résultat. Et toujours en arithmétique, on peut aussi travailler les opérations sur les fractions. Donc, on peut voir que quand le même dénominateur, on y va tout simplement. Par contre, quand le dénominateur est différent, ben, si on essaie, ça ne fonctionne pas. Alors, on a quelques petites opérations à effectuer pour pouvoir y arriver, c'est-à-dire de trouver un dénominateur commun et finalement pouvoir effectuer notre somme. Donc, c'était la première partie pour l'arithmétique. Maintenant, en algèbre, encore une fois, on peut travailler toutes sortes de choses, dont la réduction d'expressions algébriques et la résolution d'équations. Donc, si j'essaie ici dans la réduction, on peut voir qu'on ne peut pas additionner 2x plus 3y. Même chose ici. Ça nous amène à devoir utiliser la commutativité pour ramener les x tout près l'un de l'autre et pouvoir ensuite effectuer notre réduction. Et encore une fois, on peut faire défiler le tout. Pour la résolution d'équations, même principe encore une fois. Donc, si on essaie ici d'additionner, de soustraire, ça ne fonctionne pas. Ça oblige l'élève à voir qu'il faut rapprocher, ramener les x ensemble, ramener les termes constants aussi ensemble. Puis, on peut finalement simplifier pour ensuite résoudre notre équation jusqu'à la toute fin. Et encore une fois, on peut faire défiler le tracé. Dernière chose que je veux vous montrer en rafale, en aperçu, on peut aussi résoudre un système d'équations par substitution et en faire sa représentation graphique. Donc, à partir de ces deux équations, on y va avec la substitution. Donc, je vais y aller avec celle-ci pour isoler x. Je ramène mon x ici, mon y de l'autre côté. Encore une fois, l'élève, il faut vraiment qu'il fasse les bons choix. Quand j'ai isolé mon x, j'effectue la substitution dans l'autre équation. On effectue les opérations distributivité, réduire, etc. Ça nous amène à trouver notre valeur de y en bout de ligne. Là, j'y vais en rafale rapidement quelques opérations comme ça. Donc, j'arrive à y qui vaut moins 1. Et ensuite, une fois que j'ai la valeur de y, je viens encore une fois substituer ici pour trouver la valeur de x. Donc, la solution de mon système d'équation, x qui vaut moins 2, y qui vaut moins 1. Et je peux
représenter, toujours en gardant mes équations de départ, je peux représenter, valider aussi à partir d'un graphique. En fait, les outils de GeoGebra sont accessibles dans Grassmobile Math. Donc, j'insère un graphique. Je vais juste le déplacer un petit peu plus loin. J'insère un graphique. Puis, je peux valider, je peux insérer mes équations de départ comme ça rapidement. Vous voyez, les manipulations se font assez bien pour ensuite valider ma solution. On avait dit x moins 2, y moins 1. Donc, je peux venir valider ici qu'effectivement, ma solution est à moins 2, moins 1. Donc, c'est un aperçu des différentes fonctions de Grassmobile Math avec des manipulations simplifiées pour les mathématiques au secondaire.